I'd like to miss you more. I'm Prince Paul. Monsieur le Maréchal Lavigan, petit sorcier, le prophète Joël Crasso, responsable du ministre du centre de prière pluriel de Zaroko, et en même temps guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et le crime spirituel, vous dire que nous autres nous luttons contre les crimes spirituels. Parce que l'homme a droit à la vie. Donc, il faudrait que l'Église éclaire l'opinion. C'est le monde si mal. Et le mot qui existe, qui mine l'Afrique, surtout les mots, c'est la sorcellerie. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Et pas pour s'asseoir, pour exercer son autorité. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Nous allons de village en village. Nous visitons beaucoup de villages. C'est pour ça que je fais appel à tous ceux qui, amis de Jésus-Christ, ceux qui aiment Jésus, de nous soutenir dans cette période d'évangélisation. Parce que si l'Afrique est évangélisée, je vous assure, il n'existera plus toutes ces méchancetés et tout ça. C'est quand Jésus-Christ t'a franchi, il te libère la vie, que si le Fils de l'homme te a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Mais pour que le Fils de l'homme puisse affranchir les gens, il faut que les gens partent pour prêcher l'évangile. C'est ce que nous faisons. En annonçant l'évangile de Jésus-Christ, Dieu nous utilise pour, n'est-ce pas, délivrer ceux qui sont sous la violence. Parce que la Bible dit, quand on lit dans Actes 10 à partir du verset 38, Christ allait de lieu en lieu. De lieu en lieu, il n'était pas dans un point bien nommé précis. Pour dire que si nous sommes à Bijon, nous allons à Paris, il faut penser à aller au village pour apporter l'évangile. Donc aidez-nous dans cette période que nous sommes en train de faire. Merci pour ceux qui nous soutiennent déjà. Elisabeth Dobé, qui est ma maman. Merci Louise, ma maman aussi. Merci Adèle. Et puis Léon, ma mère. Voilà. Jeannette aussi, maman. Voilà, voici mes mamans. Sans oublier aussi Audrey. Audrey Poissy de Londres. Voici une fille. Voilà, que Dieu m'a donnée. Audrey de Londres, que Dieu te bénisse. Flora, Françoise, depuis Paris. Et Priva, depuis Londres. Je dis aussi le passage pour vous à Frédéric Mounier. Mais pour dire que le combat il continue, nous combattons la présence satanique des ténèbres composée des rangs de Jésus-Christ. Nous avons une retraite qui va démarrer, qui démarre la semaine prochaine, c'est-à-dire le 11, le mercredi 11 prochain, jusqu'au dimanche 15, du 11 au 15, où le thème sera de pouvoir, comment exercer son autorité. Quand Jésus dit que nous avons le pouvoir, je veux expliquer le mystère. Comment posséder un quartier, comment posséder une ville, comment on ne puisse plus te renvoyer d'un service, comment l'argent ne puisse plus te manquer, comment l'onction de antibas spirituel, je vais enseigner tout ça. Tu entreprends quelque chose, tu ne joues pas. Au commencement, Dieu créa la parole. Au commencement, il y a la parole. Donc je vais enseigner beaucoup de choses à cette retraite. Vous êtes tous invités à cette grande retraite à partir du juin. La semaine prochaine, de 11 au 15. Donc, faisons aussi appel aux gens de nous aider à construire. Nous sommes en train de construire. Soutenons-nous dans cette construction. Soutenons cette œuvre du Seigneur. Vraiment, soyez quand même par moments disciplinés. Excusez-moi si je le dis parce que, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, on appelle le prophète sur le Skype. J'ai des jours de rencontre sur le Skype. J'ai mercredi, j'ai lundi, mardi, le lundi à partir de 17h, mardi à partir de 17h, j'ai aussi, samedi à partir de 15h et dimanche à partir de 15h. Donc deux jours, lundi à partir de 17h, mardi à partir de 17h sur le Skype. J'ai aussi samedi à partir de 15h et dimanche à partir de 18h. Voici les jours de rendez-vous sur le Skype. Et au niveau du centre de prière Peniel à Zaroko, j'ai fait un peu la situation géographique de Zaroko. Pour ceux qui sont à Abidjan, quand vous descendez à Abidjan, ou ceux qui viennent de l'étranger, à Abidjan,
vous rendez à Diabé, à Diabé, c'est un quartier d'Abidjan, où il y a des cars. Vous demandez la car, la garde de Divo. Vous descendez à Divo. J'ai un quartier qu'on appelle Conakro à Divo. Étant à Conakro, vous demandez la garde d'Iré. À Conakro, vous demandez la garde d'Iré. Vous conduisez à la garde d'Iré. Vous prenez un véhicule direction Iré. Arrivé à Iré, vous prenez notre véhicule pour Zaroko. Étant Zaroko, vous demandez le centre de prière pluriel. Voilà. Tout le monde connaît le centre. Depuis que je suis à Zaroko, c'est ce qui est vrai. La mentalité s'est arrêtée. Les gens ne font plus de funérailles. Oui, parce qu'on a désactivé les temps des gens. Ils se sont convertis. Aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur. Et c'est ça. Tant que nous n'annoncerons pas l'évangile à nos parents, ils demeureront sorciers. Nous ne tuons pas les sorciers. Quand il dit tuer, ça dit nos parents comme les gens le font au Cameroun. Mais nous les amenons véritablement à connaître Jésus-Christ, à l'expérimenter. Puissamment à l'expérimenter. S'il vous plaît, donnez-nous en aide. Faites-nous en aide parce que si vous investissez dans ce ministère, vous avez un résultat parce que nous, les gens sont actifs sur le terrain. Malheureusement, les gens ne comprennent pas et difficilement nous aident. Difficilement, quand on a en fait les demandes d'aide, ça c'est la sous l'oreille. Il faut toujours qu'on les aide, tous. Mais le service n'est pas que le fait de soutenir le ministère. En retour, il y a une bénédiction. Voilà, soutenez-nous, c'est tout. C'est ce que nous avons besoin. Maintenant, j'en profite pour lancer un défi à tous. Je cesse de lancer le défi à tout mystique, vaudou, franc-maçon, tout mystique qui veut défier la puissance de Dieu, vous m'invitez. Vous m'invitez tous les mystiques, tous ceux qui pensent que Jésus-Christ, c'est de la comédie, qu'il n'y a pas de puissance dans le fait de Jésus-Christ, invitez-moi. Et je vous mets tous ce défi. Le jour où je vais rencontrer Aziz, si un plateau de télé, au moins le jour où lui et moi, on se rencontre, qu'il dit devant moi que Jésus n'est pas Seigneur, je vous assure. Ce jour-là, il va tomber et paver dès qu'il se lève, il accepte Jésus-Christ. Voilà, donc respectez Jésus. Celui qui va mal parler de Jésus-Christ, qui est mon Seigneur, dont le sang a été vidé à la croix, qui a donné sa vie pour l'humanité, nous les bandits, chercher les femmes des gens, agresseurs, voleurs, Jésus est mort pour nous. Lui, innocent, ils ont relâché Barnabas. Et c'est de lui où vous voulez parler comme ça, vous les mystiques. Celui qui parle mal, le jour où on parlait mal de Dieu Yahweh, David s'est levé contre Goliath, il a tué Goliath. Quand les faux prophètes se sont levés en Israël, il a fait qu'Élie les met au défi pour instaurer le règne, pour imposer le règne de Jésus. Je suis venu en Côte d'Ivoire, Dieu m'a point pour imposer le règne de Jésus. Ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, tout mystique le met au défi. Shalom, bonne journée.